Et on passe au Japon à présent. Le Premier ministre japonais Shinzo Abe s'est engagé à améliorer les relations avec les pays voisins du Japon et à stimuler la croissance économique lors de l'ouverture de la session parlementaire. Monsieur Abe a déclaré qu'il espérait organiser un sommet, un stade précoce et renforcer une relation mutuellement bénéfique pour construire une amitié stable avec la Chine et la Corée du Sud. Le Premier ministre a aussi décidé d'examiner l'impact des augmentations de la taxe des ventes et des prix du pétrole sur l'économie. Il doit décider à la fin de l'année si le Japon pourra faire face à une seconde augmentation de la taxe des ventes l'an prochain. Shinzo Abe a réitéré son engagement à privilégier la politique économique pour mettre fin à près de 2 décennies de déflation. Il déclare qu'il est sur le point de lancer des réformes de réglementation. Toutefois, il s'est abstenu de s'exprimer sur les politiques de défense, comme la levée de l'interdiction du droit à l'autodéfense collective.